trouvons aujourd'hui à la veille de la parashat Dvarim. La semaine passée, nous avons clôturé le livre de Bamidbar qui nous a fait le compte des étapes des enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Les enfants d'Israël, depuis leur sortie d'Égypte, ont dû franchir de nombreuses étapes. Ils ont été au Sinaï recevoir la Torah, auraient dû rentrer rapidement en Eretz Israël. Malheureusement, à cause de la faute des explorateurs, nous avons dû nous attarder dans le désert. Et a posteriori, on s'aperçoit que ces étapes étaient nécessaires, importantes, sans qu'on connaisse véritablement le contenu de chacune de ces étapes. Notre peuple aussi, après la destruction du premier et deuxième temple, a dû longtemps pérégriner et franchir de nombreuses étapes. Pendant des milliers d'années, notre peuple en fait est en route pour revenir non seulement sur sa terre, mais à sa totale dimension. La dimension qui avait déjà été annoncée à notre ancêtre Abraham, « Ve'esra le goy gadol, je ferai de toi un grand peuple. » Un grand peuple, c'est-à-dire un peuple qui a des vertus extraordinaires, des qualités particulières, mais aussi une responsabilité particulière. « Ve'nivrechu becha kol mishpechot adama. » Finalement, c'est toi qui vas amener le monde à l'aboutissement du projet divin. Et le peuple d'Israël est en route et il franchit des étapes. Et voilà qu'il arrive sur sa terre et se reconstitue en tant qu'entité, en tant que collectivité. Il y a un rassemblement des exilés qui va en s'accélérant. Mais en fait, toute notre histoire s'accélère et en ce moment, dans ces jours-là, le peuple d'Israël écrit une page de plus de son histoire, celle de la lutte contre le mal, contre ceux qui veulent empêcher l'apparition de la dimension réelle de ce peuple qui se dirige vers la reconstruction de son temple. Le temple est le lieu où la rencontre entre l'homme et Dieu peut se faire et facile. Où Dieu parle à l'homme, l'homme est à l'écoute de Dieu. Dieu guide l'homme, le dirige vers le bien total et l'homme se sent inspiré pour pouvoir aboutir au projet qui lui a été fixé. Être celui qui porte l'image divine en lui et permet à la vie sur terre d'être le reflet de l'idéal qui se trouve dans les cieux. La lutte que nous menons maintenant est une lutte qui n'est pas facile, qui réclame toute notre énergie, toute notre foi. Malheureusement, nous payons un prix qui pour nous est un prix très lourd. Mais nos sages nous ont déjà enseigné, Rabbi Shimon Bar Yochai en particulier, que trois valeurs s'achètent par un prix qui est fort, la Torah, Eretz Israël et le Olam Haba. La Torah, c'est notre âme. Eretz Israël, c'est notre espace. Le Olam Haba, c'est le but, un monde où il n'y a plus de mal, il n'y a que le bien. Et cette lutte que nous menons aujourd'hui,
nous élève. Cette lutte que nous menons aujourd'hui fait apparaître en nous l'unité, la capacité de révéler toutes nos valeurs, toutes nos qualités. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, alors que nous sommes en train d'écrire cette page d'histoire, nous assistons non seulement à des miracles où la providence accompagne notre armée, protège nos villes et notre peuple, mais nous assistons aussi à la révélation de tout ce que ce peuple contient en lui depuis des milliers d'années. La bonté, l'aide, le don de soi, une foi totale, une grandeur et une noblesse d'âme. Donc cette guerre est pour nous une épreuve, mais elle est en même temps un révélateur. Et nous sentons de plus en plus que nous franchissons une étape de plus, peut-être une des étapes les plus définitive de notre progrès vers notre délivrance, décisive, et nous invitons à tous ceux qui sont conscients de ça, de nous rejoindre le plus rapidement possible, de venir faire partie de ce peuple extraordinaire qui révèle tout le bien en face de tout le mal, pour être de ceux qui vont écrire ces lignes de la continuité du peuple, de l'histoire du peuple de Dieu, du vrai Dieu, celui qui est en faveur de la vie et en faveur de l'idéal le plus total.